Moi, la guitare de mon ami, elle sent la soupe. Pouvez-vous m'aider? Est-ce que quand t'as acheté, tu sens du liquide dedans? Non, mais vraiment la Lipton, là, tu sais, là, la soupe. Mais oui, la soupe jaune. Lipton, oui, la soupe jaune. Elle sent puis comme à chaque fois que je joue avec, je suis comme, est-ce qu'elle sent la soupe, ta guitare, man? Mais est-ce que ton ami sent la soupe? C'est nice, hein? Ouais. Ben, c'est réconfortant, j'imagine. C'est le mojo. Mais j'ai jamais comme, j'aimerais ça avoir une guitare qui sent la soupe de même. Mais t'as juste à manger de la soupe, puis genre ta guitare va finir par sentir. Mais d'après moi, ça c'est, on parle de 15 ans de soupe, là. C'est là, pour que la guitare sente la soupe. Moi, le plus nourriture que j'ai eu comme aventure avec une guitare, c'est je gosse chez nous et je mange un sandwich et la tranche de tomate tombe sur mon acoustique et fait... Elle tombe dans le trou. Ah, il y a de la mayo puis des tomates. Pourquoi j'ai mangé en gras? Pourquoi ça puis ça? C'est j'avais comme une bonne... Ah. Cet été, pendant un des shows, à un moment donné, je me suis approché du micro trop vite. C'est comme une des plus rock. Puis je me suis. Là, j'étais comme, ouais, moi aussi. J'ai comme de quoi dans la bouche qui me gosse, c'est dur. Là, je peux pas comme juste, tu sais, comme arrêter la tune puis checker. Mais je pense que je l'avale à un moment donné. Mais juste, je suis comme stressé parce que je me suis vraiment cogné fort. C'est quoi, je mange? Là, je suis comme, Chris, ma dent. Oh non! Elle est comme plus sensible que d'habitude. Puis je me suis pété une palette. Ah, c'est le micro! Tu l'as mangé? Je l'ai avalé. Oh! Ça, c'est quand même next level. C'est comme avale pas ta gomme, avale pas ta dent. Avale pas ta dent. On faisait un show, je me rappelle pas où, il y avait pas tant de monde que ça. Puis j'ai bougé bien vite avec ma guite en faisant comme un move. Je l'ai pitié au bout de la strap, elle m'est revenue dans la gueule, genre, zit! Puis là, j'ai fait « Ah! » Puis soudainement, je ne sentais plus rien. Là. J'étais gelé. Hein. Puis là, après, j'y goûtais. Puis là, j'étais comme « Ah, oh, man, j'ai du sang dans la gueule. » Puis on vient de commencer. Là. On est là pour 20 minutes. C'est là, ça, tu peux, mettons, pas, tu peux pas faire comme deux là, secs, sortir connais... ton sel, checker. Tu sais. Oh, non! Puis là, j'étais comme « Ah! » Puis le lendemain, j'avais un genre de trou. Là, comme, ah, ouais, ben, je me suis pété dans ça. Moi, c'était ça. Moi, j'avais l'air de Dumb and Dumber. Là. Dans la allô, ouais. Allô, c'est wow. Moi Thierry. Mais là, le dentiste, il y avait un look comme, que... va falloir t'en retrouver ta palette. Il y a un dentiste dans il le temps. Il me l'a juste refait. T'as juste refait, oui, c'est ça, ils ouais. Veulent pas que tu trouves ta... C'est pas comme un doigt, genre, t'es pas obligé d'amener là-dedans. Ma copine... en fait, j'aurais dû ça avant, mais là, je l'avais avalé. C'est ça, mais là, ouais. Là, c'est un autre comme, hey, on attend quelques minutes. Écoute, j'ai mangé depuis. Je vais checker, je jarote. C'est ça. Non, c'est ça, il me l'a refait, puis... sans le bout de la palette, j'avais un look un peu Manchester. Genre. Ouais. C'était comme très Britpop. Ouais. C'est tellement Britpop Manchester. J'ai des photos. Il y a comme un bout où je considérais, c'était comme ça pourrait être mon nouveau look. Ou ben, à limite, look... juste la pochette, puis après ça, t'as fait arranger. Ben, on a pris des photos en masse pour si jamais on voulait ça pour la pochette. Ben, pour ton best-of dans 40 ans. Ouais. Ben, ouais.